Ouais, là-bas, on est là, hein. Tout va bien. Celui qui dit que, mais on est là seulement, on se prépare comme si je suis en stage. Parce que ici, là, c'est l'internat pour moi. Hein. Je me prépare très bien, sans la guerre, dans l'accalmie. Mais vous aussi qui sont là-bas, il faut faire les choses, ce qui est clair. C'est ça le problème. Ah. Donc, nous, on est là, tranquillement. Il y a la santé, on fait le sport. Voilà. Oh, merci très bien. Alors, mon Dieu, ouvre-nous la porte de la vérité. Koumpivi, un bon militaire, un très très bon militaire, pour ceux qui l'ont connu. Ce monsieur est un bon bon militaire. Parmi ses compagnons d'armes qui sont à la maison centrale, il n'y a personne qui a fait plus la guerre que lui. Oui. Lui, il a fait la guerre. Il sait se battre. Il sait c'est quoi la mort. Il sait c'est quoi défendre sa patrie. Ça fait très, très, très mal au cœur de voir la fin d'un grand, un grand homme comme ça. Il faut le dire comme ça. Pivi, c'est un grand homme. C'est un grand militaire. Un bon militaire en plus. Franchement, moi en tout cas, si j'ai un conseil à donner dans cette vidéo, il faut se rendre. Il faut se rendre pour ta patrie. Rends-toi pour ta patrie. Il y a tes collègues là-bas, ils sont à la maison centrale, tranquille. Personne ne les a frappés, personne ne les a insultés. Retournez tranquillement à la maison centrale. Allez-y vous rendre à la police ou à la gendarmerie, tranquille. Parce que ces jeunes qui sont là, ils ont le sang chaud, ils peuvent t'humilier d'un moment à l'autre. Ils peuvent t'humilier d'un moment à l'autre. C'est le bon moment. Il faut te rendre. Ce qui est fait est fait. Dieu, il est là pour tout le monde. Un jour, peut-être tu vas sortir. Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a gracié certains prisonniers. C'est comme ça la vie. Hein. Il faut se rendre. Rendez-vous. Voilà, ce qui est fait est fait. Et son Excellence Mamadi Doumbouya, on est tous des Guinéens. Aujourd'hui, Dieu vous a confié la tête du pays. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, dites à vos hommes de partir doucement, d'aller doucement. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils sont partis s'attaquer à la famille de Claude Pivi. Qu'est-ce que cette famille a à voir dans tout ce problème? Qu'est-ce que la famille a à voir dedans? Ils ont tiré de partout. Il n'y a pas Claude Pivi à la maison. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Voilà, c'est ce conseil-là que j'ai à vous donner. Donc, dites à vos hommes de suivre bien les instructions. Parce que l'armée, c'est l'ordre. L'armée, c'est les instructions. L'armée, c'est la loi. Voilà, restez derrière la loi. S'il y a des perquisitions à faire, qu'on fasse la perquisition dans la légalité. Mais pas dans l'impunité. La pauvre famille n'a rien à voir dedans. Voilà, c'est ce conseil-là que j'ai à donner en tant que Guinéen, en tant que fils de ce pays. Voilà, s'il vous plaît, la famille, partagez au maximum la vidéo. Grosse force à vous. On ensemble, vive la Guinée et les Guinéens et vive la vérité.